Salut tout le monde, alors ça fait super longtemps que je ne me suis pas assise devant la caméra pour vous parler en fait. Donc là c'est mon mini retour on va dire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant, je vais dire, appelez ça comment, mon petit régime, astuce minceur, affiner sa taille, comme vous voulez. Et donc je vais vous révéler, vous dire ce que j'ai fait. Parce que pour les personnes qui me suivent sur Snapchat et Instagram, elles ont pu remarquer que j'avais pas mal perdu de ventre. Et donc, j'ai fait quelque chose d'assez particulier. Et donc, je vais vous dire tout ça aujourd'hui. Mais avant tout, d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous et likez déjà la vidéo. Parce que si vous ne faites pas, bah, je ne dis pas. Donc, faites. Ok. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que... cette vidéo n'a pas pour but de vous complexer ou quoi que ce soit. Si vous vous sentez bien dans votre peau, tant mieux. Si vous vous sentez mal, essayez de faire en sorte d'aller mieux. Mais ça n'a pas pour but de vous complexer ou quoi que ce soit, vraiment pas. Si je dis des choses, enfin quand je parlais, je vais vraiment parler de mon cas à moi. Parce que ce que j'ai fait, ça a marché sur moi. Ça peut ne pas marcher sur vous, ça peut encore plus marcher sur vous. Donc ça dépend des personnes, je pense. Mais voilà, je tiens à préciser que ça, ce que je dis en tout cas n'engage que moi. Pour commencer, c'est vrai que j'étais... moi je suis quelqu'un, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de ventre en fait. J'ai jamais eu beaucoup de ventre et tout, même si des fois genre je débordais et tout sur les côtés. Je peux avoir des petits bourrelets, mais un ventre assez ballonné, assez gonflé, non. J'avoue que j'ai jamais eu ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Pour que la vidéo elle dure longtemps. Que vous attendiez longtemps, je vais pas dire ça maintenant, je vais dire ça au bout de vers la fin là. Donc si vous voulez vous sauter vers la fin, mais je vais pas dire ça maintenant, non je rigole. Donc de base moi j'avais fait un petit régime après le ramadan de All In Fit. Donc c'était un petit régime sur un mois. J'avoue que j'avais pas vraiment respecté tout ce qui était dit dans le régime, mais ça m'avait fait perdre pas mal de ventre. Et donc à la suite de ça, après avoir fait ce régime, j'ai arrêté. J'ai pas pour autant forcément repris, mais mon ventre s'était légèrement relâché, je dirais. Et donc, moi je suis quelqu'un de très fainéante, je n'aime pas le sport, je n'aime pas transpirer. Des fois ça peut m'arriver, d'avoir des petits coups de folie, vouloir faire des abdos. En fait ça m'arrive quand genre je culpabilise d'avoir mangé un grec ou d'avoir mangé du poulet KFC ou du McDo. Là, je fais des petites folies en faisant des pompes ou du gainage ou des abdos. Mais de base, je suis quelqu'un, j'aime pas transpirer, j'aime pas le sport, pas plus que ça. Il y a des moments où j'allais à la salle de sport et tout, mais c'était vraiment pour me motiver et tout. Mais sinon, vraiment, sport et moi, c'est pas compatible. Donc moi, je me suis dit comment genre je peux faire pour pas trop prendre de poids et sans pour autant me frustrer, parce que moi, je suis quelqu'un très gourmande. Je mange beaucoup. Je mange pas beaucoup, mais je mange des grandes quantités en fait. Genre si je veux me servir un plat, je vais bien me servir. Je vais pas aller de main morte. Et donc, j'ai trouvé des petites astuces par-ci par-là. Et donc, je vais vous parler de mon astuce number one. D'abord, je précise que vous pouvez utiliser ces astuces indépendamment des unes des autres. Mais si vous les cumuler tout ensemble, ça fait le... résultat de ouf, le corps à Kimka, tu connais. Ce que j'ai utilisé, alors vous aurez besoin de 3 produits. De la percutaféine. Percutaféine. Je mets tout en barre d'infos. Tout ce que vous voulez, ce sera en bas. Vous avez juste à dérouler la flèche. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'est... il y a 5% de caféine à l'intérieur. Et c'est pour éliminer la masse graisseuse, en fait. La masse graisseuse. En général, c'est les femmes enceintes, genre quand elles ont accouché, elles utilisent ça et ça fonctionne. Déjà, ça, rien que ça tout seul, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ensuite, vous aurez besoin du Vicks Vaporub. Vous savez, la mentholatone, comme dirait ma mère. Voilà. Ou soit le chat, il y a aussi un qui s'appelle le chat. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous appliquez de la percutaféine dans votre main. Vous prenez du Vicky, j'appelle ça le Vicky moi. Vous prenez du Vicky, vous mettez dans votre main, vous mélangez.
et vous l'appliquez sur votre ventre, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez bien. Vous massez bien, vous massez bien, vous massez bien. Et après, vous faites quoi? Vous mettez soit du film plastique autour, et vous mettez votre gaine. Gaine en latex. Gaine en latex. Alors moi, ma gaine vient de chez Sweet Body. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Sa gaine me maintient d'une manière... Là, au bout d'une semaine, t'es obligé de perdre en fait. Au bout d'une semaine. Et ce que je vous conseille de faire, ça c'est un conseil que je vais conseiller à tout le monde, c'est de faire ça sur 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que vous allez faire ce 10 jours et vous allez voir que ça va marcher et vous allez continuer. Si je vous dis de faire ça sur un mois, vous n'allez pas faire sur un mois. Donc je vous dis 10 jours. 10 jours, vous allez voir les résultats. Je vous promets que vous allez continuer. Je vous promets que vous allez continuer. Donc si vous faites ça, moi, comment je l'utilisais en fait, c'est que je faisais tous les soirs. Parce que la journée, j'aime pas porter la gaine, aller au travail avec la gaine et tout, parce que ça fait vraiment le corps. Et j'ai pas envie que les gens. Voilà quoi. Donc, moi, je la mettais tous les soirs, même si c'est pas recommandé de mettre la gaine pour dormir. Moi, je dors tout le temps avec. Je dors tout le temps avec. Et c'est peut-être ça qui fait que ça marche. C'est peut-être ça qui fait que. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je dors tout le temps avec. Et les week-ends, je passe la journée avec. Par contre, les week-ends, je dors pas avec. Et j'applique la percutaféine avec le Vicks Vaporub et film plastique. Je me gaine et puis je vais dormir. Le lendemain matin, tu te laves et tout, donc ça part. La gaine, il faut la laver, mais pas à la machine. Il faut la laver à la main. Donc, c'est ce qui fonctionne sur moi. Donc franchement, si ça marche sur moi, ça peut marcher sur vous. Déjà, je vous ai dit que rien que ça, tout seul, ça marche avec... Alors avec ça et la gaine, ma chérie, hein, si t'as pas de résultat, franchement, je te rembourse. Ah oui, je te rembourse. Non, plus sérieusement, ça, ça coûte à peu près une 15aine d'euros à la pharmacie. Le Vicks, je crois, c'est 3€. Et la gaine, Sweet Body, vous en avez pour... en fait, le tout, vous en avez au moins pour peut-être 70€. Mais je regarde si c'est pour avoir le corps à Kim Kang, en fait, ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, durant les 10 derniers jours, j'ai testé un nouveau thé. Un thé minceur et un thé détox de chez Nabs Beauty. En fait, ce sont des thés spécialisés avec des produits 100% naturels. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Et l'avantage de ces thés, enfin, je dirais même pas l'avantage parce que c'est quelque chose de normal, c'est qu'ils ne font pas chier. Voilà, t'as pas le ventre qui se casse, t'as pas... T'as pas le ventre qui va se glouglouter dans la journée, t'as pas envie de mourir, t'as pas envie de vomir. Il ne fait pas chier. Franchement, le seul truc, genre, je dirais bizarre que j'ai eu, mais encore, je me demande si c'est à cause de ça, c'est que, genre, je rotais beaucoup. Je rotais beaucoup plus qu'en général. Mais sinon, non, il ne fait pas, pas aller aux toilettes. Voilà, il fait pas faire caca. Le thé détox qui est comme ceci, vous voyez, moi je l'ai presque fini. Ah oui, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas en sachet. Ça veut dire que vous pouvez doser comme vous voulez le boire à votre guise. Le goût, franchement, le goût, il est pas dégueulasse. Franchement, c'est pas amer comme les autres thés et tout, genre sans sucre et tout. Celui-là, sans sucre, tu peux le boire. Tu peux le boire. Des fois, quand c'est chaud, j'ai rajouté du miel parce que boire tous les jours ça et tout. Non. Mais franchement, tu peux le boire. Et l'odeur, franchement, ça sent super bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent la fraise et tout. Mais bon, après, le goût, c'est pas pareil. Mais ça sent vraiment super bon. Et comme je vous dis, ce qui est rassurant à l'intérieur, c'est qu'il n'y a que des produits naturels. Donc, celui détox, il est à la fois coupe fin et spécialisé pour avoir le ventre plat en fait. Il va nettoyer l'organisme, purifier, détoxifier, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est recommandé. Je le recommande à 1000%. Ensuite, vous avez le thé amincissant qui va avoir effet brûle-graisse en fait. Il va être drainant et coupe fin aussi. Donc, moi, ce que je faisais, je vais même pas me mentir, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Moi, ce que je faisais, en fait, la fille m'a conseillé de boire ça tout au long de la journée. Un le matin, un le soir, mais je me rappelle plus exactement. Moi, ce que je faisais, je mélangeais les deux. Dans ma casserole, je mets l'eau chaude, je renversais les deux, un peu les deux. Je mélangeais, après, je prenais la passoire et tout, enfin, pour enlever les trucs, quoi. Et je buvais. Je buvais tous les matins et tous les soirs. Parce que quand je partais avec au travail, en fait, je buvais pas.
Au travail, je buvais pas et tout, je buvais que de l'eau. Je faisais ça tous les matins et tous les soirs. J'avais trop la flemme de genre séparer ça et ça. Je mélange les deux et puis c'est pas mauvais. Ça avait bon goût. Et donc, ça a eu ses résultats. Et donc, avec ça, vous avez en général une perte entre 5 à 10 kilos. Je vous cache pas, je vais pas vous mentir, je vous cache pas que moi, je ne me suis pas pesée ni avant ni après. Je suis quelqu'un, mon poids ne m'intéresse pas. Enfin, connaître les chiffres sur une balance, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, je me vois, je trouve que je m'aime bien. Voilà, je suis pas obligée de connaître les chiffres qui sont associés à mon corps. Donc voilà, ça m'intéresse pas de connaître mon poids. Mais en tout cas, les résultats ont été là. Je trouve personnellement que je me suis affinée. Au niveau, surtout au niveau de la taille, au niveau du ventre. Sachant que moi, je ne fais pas du tout de sport. Voilà, même du gainage et tout. À part quand je culpabilise vraiment d'avoir mangé genre un McDo ou du grec. Mais sinon, je fais pas de sport. Après, les seuls vrais efforts que j'ai fait, je dirais, c'est le grignotage. J'ai vraiment limité le grignotage. Quand je dis limité le grignotage, c'est qu'avant, genre, je pouvais aller acheter des paquets de gâteaux et les manger. Maintenant, quand j'ai envie d'aller acheter des gâteaux, je vais plutôt acheter des fruits, des raisins. Je mange beaucoup de raisins. Ou du pamplemousse. Je me suis mis au pamplemousse il n'y a pas longtemps. Je me force à boire 1 litre d'eau. Enfin, je sais pas si c'est 1 litre, mais en tout cas, je bois deux petites bouteilles d'eau. Vous voyez, les gens, ils disent, ouais, faut boire 1,5 litre. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des bouteilles, j'achetais des bouteilles de 1,5 litre pour me forcer à boire. Mais en fait, quand tu vois la bouteille comme ça, attendez, je vous prends une bouteille. Quand tu vois la bouteille comme ça, toi-même, t'as la flemme de tout boire. T'as trop la flemme de tout boire. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des petites bouteilles d'eau. Et donc, je me force à boire une, genre, à en finir une petite bouteille d'eau toute la matinée. L'après-midi, j'ai toute l'après-midi pour boire la deuxième petite bouteille d'eau. Et le soir, avant de me coucher, j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de mon lit, donc je bois aussi. Je pense que c'est juste ça qui a changé dans mon alimentation, je dirais. En tout cas, la hyène, la percutaféine, le VIX et le thé a fait ses effets sur moi. Je vous les recommande à 40 000%. Est-ce qu'il y a des choses que je dois préciser? J'ai tout dit, hein. La vie, j'ai tout dit. J'ai tout dit. La vie, j'ai tout dit. Il n'y a plus d'autres secrets. Donc, maintenant, je vous laisse 10 jours à compter de aujourd'hui. Non, à compter le temps d'acheter le. Si vous n'avez pas de gain et tout. Jusqu'à demain. Je vous laisse 10 jours pour m'envoyer vos résultats avant-après. Et oui, prenez-vous des avant-après. C'est grave important. En fait, c'est en voyant les avant-après que vous allez vous rendre compte. Parce que moi, j'ai mon avant, et maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, prenez-vous avant, après, genre là, aujourd'hui, prenez-vous en photo. Et dans 10 jours, prenez-vous en photo. Mais genre, vraiment la même posture, le même cadrage, tout. Et puis, vous m'envoyez. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat et Instagram, surtout Snapchat parce que c'est là où je partage tous mes bons plans. Et vraiment tous mes bons plans. Et j'ai vraiment des bons plans. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat. Sur Instagram aussi, je fais des stories un petit peu intéressantes. Je trouve que je suis quelqu'un d'intéressante. Donc, ajoutez-moi sur Instagram. Et puis, abonnez-vous parce que je vous ai donné mes secrets. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous êtes trop gentils. Merci, c'est gentil. je sais même plus quoi dire. N'hésitez pas à partager parce que c'est le partage qui fait qu'on partage plus. Le partage appelle le partage. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière parce que j'ai repris les cours. Je ferai une vidéo dessus. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... je connais. Voilà. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.